Bon, les amis, regardez, j'ai acheté quoi? J'ai acheté un test de grossesse. Je vais pranker Zizou, je vais faire croire qu'il va devenir papa. Il va halluciner. Bougez pas. Quoi? Je suis enceinte. C'est pas vrai. C'est un test de grossesse, je suis enceinte là. Là, là, il y a une barre. Une barre, ça veut dire que je suis enceinte. C'est pas vrai. Si, je te promets. Oh, comment on va faire? Faut que t'arrêtes TikTok, hein. T'as été chercher un travail, mais on va pas. S'en fout. Ah, mais non, mais non, mais mes parents. Mais wesh, je rentre plus chez moi, moi. Eh, hey, moi, c'est fini, j'ai 19 ans, ma mère, elle va pas vouloir garder un bébé chez moi. Mais faut que tu te vois, toi. Mais c'est une blague. Oh, oh putain de merde. Oh non, putain. Comment on fait? Mais je sais pas, mais va à l'hôpital, retire le bébé. Non, c'est trop tard. C'est une blague, c'est pas vrai. Je rigole. Oh, t'es un bâtard, t'es méchant. Je la fixe dans les yeux pour voir sa réaction. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Pourquoi tu me regardes? J'ai un truc sur mon visage? Ah, parce que je suis trop belle. T'as cramé le truc. T'as cramé. Non, attends, je vais tout t'expliquer. Je t'énerve pas, ok? Je suis désolée. Ça faisait pas longtemps qu'on était ensemble. Je crois qu'on était même pas ensemble en fait. Je l'ai juste embrassé, j'ai même pas couché avec lui. Je te jure, c'est vrai. Bébé, embrasser, c'est pas tromper. On était même pas ensemble en plus. Tu m'en veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'était pas ça? Ah, t'avais pas cramé ça? Moi, c'était juste une traîne TikTok. Ah bon? Et là, tu viens de te faire cramer, ma beau fille. Bah non, mais. C'est parce que tu viens de l'assumer que tu viens d'embrasser quelqu'un. Et pourtant, embrasser, c'est pas tromper. Non, mais c'était une blague, j'ai embrassé personne, t'es malade ou quoi? C'était une traîne TikTok. Eh bah, je te dis, ma copine, tu restais toute seule, ma pauvre. Non, mais c'était pas vrai. Allô, c'était pas vrai. Bon, c'est l'heure. Je suis trop triste. J'ai plus rien. Bon, on se trompe pas. Non, toi, tu me trompes pas. On parle avec personne d'autre. Et vas alors. Et c'est combien de jours? 3 jours. 3 jours? Et si jamais tu me manques avant? 3 jours. Bah non, tu peux pas craquer en tout cas. Mais toi, tu peux pas craquer? Non. Tu fais un peu de câlin? Si. Tu as trop manqué. Pourtant, j'avais l'habitude de dormir dans tes bras. Vraiment, j'ai une poussée en vrai. Même chouchou, tu restes avec ton père. Oh mon dieu. Tu nous abandonnes. Moi, pas trop manqué. Oh ma vie. Allez, vas-y. Je rends mes affaires. Tu peux t'appeler quand tu peux m'appeler quand t'es arrivé. Curé. Liberté. Bébé, est-ce que nous sommes toujours en couple? Je sais pas. Je te laisse répondre. Déjà, est-ce que la pause elle est finie? On peut leur dire. Je te laisse répondre. Oui, la pause elle est finie. La décision a été prise. Et on est toujours en couple. Ouais. T'es plus célibataire? Ah mais bébé, toi aussi. C'est toi que tu voulais continuer à rester chez ta mère. On dirait que tu m'aimais plus. Mais n'importe quoi, c'est une pause. C'est quoi une pause? Une pause, ça veut dire que c'est la fin d'un couple. Mais pas du tout. C'est pour mieux se retrouver en fait. C'est juste ça. Le lendemain, j'allais revenir te voir en fait. Toi, t'as voulu partir à prendre un avion. T'es venu me rejoindre parce que justement, j'ai pris un avion et que je suis parti. Non, pas du tout. J'allais te rejoindre le lendemain, mais tu serais resté à Paris. Bref. Je m'as trop manqué ma vie. Je te jure, c'est la fin de ma vie. T'es la mère de mes enfants. Quoi? T'es la mère de mes enfants. Ah ouais? Jamais on pourra se séparer. Mais j'avoue que les célibataires seraient un peu cool quand même. T'es heureux? Mais bébé, ça fait 3 ans, non, 3 ans, c'est la prison, tu vois. Genre. Tu veux partir? Mais non, mais genre, juste, tu vois, je voulais essayer des... Je voulais rien essayer. Tu voulais essayer quoi? Rien. Vas-y, dis. Ah non, mais en fait, quand j'y repense, y'a pas mieux que toi. Ouais, y'a pas mieux que moi, ouais. T'es la meilleure, t'es mon bébé, t'es ma femme, quoi. Oh. Mon maquillage! Les gens, les vacances, elles sont finies. Bye bye Marrakech. T'es contente de rentrer à Paris? C'est une vraie question, ça? Sous la pluie. Je t'écoute. Bon, allez, c'est parti, on part à l'aéroport. Allez, bébé, dépêche-toi, fais ta valise, on va rater l'avion. Mais j'ai pas envie de faire ma valise, j'ai pas envie de rentrer. Bébé, j'ai plus d'argent, on rentre. On peut rester à Marrakech. Je n'ai plus d'argent. Ah ouais?
Dommage, hein. Je comptais mettre ça ce soir. J'aimerais bien essayer pour voir ce que ça va emporter. C'est quoi? Ma petite tenue. Ah ouais? Ouais, mais du coup, vu que t'as plus d'argent, bah je vais la rentrer. Allez, range-la, dépêche-toi, j'ai plus d'argent, rentre! T'es sérieux là? Allez! Les gens, est-ce que je lui fais une surprise et je prolonge et on reste au week-end à Marrakech? Mais j'ai plus d'oseille. Mais est-ce que je la fais kiffer? Mais t'attends quoi là, Anya? C'est dans une valise? Je veux pas partir, je veux pas. Allez, on y va, je prolonge plus. Non, j'ai pas envie. Allez! S'il te plaît, je vais rester ici, je fais tout ce que tu veux. Si je prolonge, je gagne quoi? Hein? Je gagne quoi si je prolonge? Tout ce que tu veux. Quoi? Un cadeau. Non, c'est nul. Un massage. Non, c'est nul. Un bisou sur les pieds. Mais non, parce que je m'en fous. Tu vas manger. Non, c'est trop nul. Hein? Quoi? Hein? C'est bon, on a pas besoin de savoir. C'est bon. Bon, les gens, est-ce que je prolonge? Cette fois, les gens, je prolonge pas. On rentre à Paris. Les gens, on a l'avion dans une heure. Dépêche-toi, Anya, faut prendre un taxi. Les gens, c'est pas qu'on va pas rater l'avion, je vous tiens au courant. Les gens, pour ceux qui ne savent pas, Anya est enceinte de 26 jours, donc on va faire un test de grossesse. Comment ça, enceinte de 26 jours? Je suis en retard de 26 jours, pas enceinte. Comment ça? En retard. J'ai pas mes règles, ça fait 26 jours. Bon, bref, faut faire le test pour savoir si t'es enceinte. Bah oui, allez. Tiens. Je croise les doigts pour qu'elle soit pas enceinte quand même. J'ai 22 ans, les gars, ah, je me vois. Bah, je me vois pas tout de suite avec un bébé, je suis désolée dans les pattes. Mais s'il y a un bébé, on va le garder. Bon, les gens, là, on va le voir en direct tous ensemble. Mais on dirait un test Covid. Oh, mais t'es sûr, c'est ça? Pourquoi il y a une pipette? Non, mais écrit baby check. Mais pourquoi il y a une pipette? Ah, bah, faut que tu fasses pipi. Ah, faut que tu le rentres dans ta fouf et tu t'aspires le pipi. Mais t'es bête ou quoi? Mais quoi? Mais le pipi, ça rentre pas dedans. Bref, bon, vas-y, allez, fais-moi ce test. C'est de trop. Comment je fais? Je comprends pas. Allez, on veut tout savoir. Ah, faut que je pisse dans un bol. Ah. Je te jure, il y a marqué faut pisser dans un bol. Ah. Oh non. Alors? Attends. Allez. Putain, on veut savoir si t'es enceinte, bordel. On veut savoir si un gosse. Attends. L'heure. Ah bah je suis enceinte. Ah bah je suis déçue. Mais d'un côté, je suis trop content! Attends, il y a un problème. Quoi? Faut que je le refasse dans un mois. Pourquoi? Mais parce qu'il faut qu'il soit fiable à 1000%. Ah, j'essuie sa paille avant de boire et regarder sa réaction. Mais lui, t'es sérieux? Ouais. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi j'essuie la paille? Mais ma vie, mais c'est moi! Mais je te dégoûte ou quoi? Non, mais attends, c'est pas du tout comme ça en fait. Quoi? T'es sale, Anya! Je bois après moi! Mais non, mon cœur, je bois pas après toi, j'aime pas! Mais j'ai pas mis de gloss, j'ai rien mis là, t'es sérieux ou quoi? J'aime pas boire après toi! Mais je suis ta femme! Hé, on boit après sa femme! Ah! Tu suces la paille ou? Mais bah, t'es sérieux, mais vas-y! Non, je te dégoûte, mais t'es sérieux, ça c'est pas ce que tu fais! Mais pourquoi tu fais ça? Mais! Y'a plus de salive là! Hein. J'espère bien que. Quoi? Il s'est fait tirer dessus le mec. Oh, mon dieu! Change pas de sujet! Pourquoi t'es celui-là? Il y a un goût de salive là. Ah! Voilà! C'est comme ça qu'on mange un peu sa femme. Bébé? Elle est où ma mère? J'ai une surprise pour elle. Mais elle arrive là, pourquoi tu prends des surprises? Ouais, regarde sur moi. Mais tu vas la prendre avec ça? Pourquoi ça fait faux? Ça m'a mis, c'est trop réaliste. Elle a pété le fond. Ça va faire tranquille. Tu vois un petit truc à boire? Ouais, un coup à fraise. Ouais. Ça va. Quoi? C'est quoi ça, Anya? Mais quoi, c'est quoi ça? Le truc qui pend là, c'est quoi ça? Regarde dans les yeux, maman, s'il te plaît. C'est quoi ça? Quoi? C'est une couille. Mais quoi, c'est une couille? Mais range pas ta couille, non, mais t'es sérieux là? Oh, ça va pas. Oh là là, mais c'est pas vrai, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme ça, mon Dieu? Mais maman, c'est une couille. Les gens, ça faisait longtemps, je pensais qu'elle avait oublié. Écoutez ce qu'elle me demande. Je veux faire mes ongles. On dit pas je veux, on dit je voudrais, s'il te plaît, mon bébé que j'aime de tout mon cœur. Oui, bon, allez, s'il te plaît, je veux. Je veux faire mes ongles, s'il te plaît, mon bébé que j'aime de tout mon cœur. Vite, s'il te plaît, allez, mets-toi une fois à genoux et dis, s'il te plaît, mon amour. S'il te plaît, mon amour. Non, avec les bras. S'il te plaît, mon amour. Allez, vas-y, je te les offre.
Elle est toute contente de faire ses ongles. Par contre, les gens, bizarrement, quand il s'agit de faire le ménage et de me faire à manger, y a personne qui court comme ça. Hein. Par contre, Ania, tu me fais pas des ongles de pétasse. Si, si. Hein? Bah oui. Quelle taille? XXL. Hein? Bien sûr, ça fait longtemps que je vais me gêner. Tu viens de dire quoi, Ania? D'ailleurs, toi aussi, tu devrais en avoir une XXL sur les camions. Mais de quoi tu parles? Bah, c'est ça, hein. T'es complètement taré. Et là, Ania, c'est trop long, tu peux pas garder ça. Bah si. Mais non! Mais c'est XXL, ma vie. Non, mais là, bébé, ils sont trop trop XXL, là, c'est énorme. Mais alors? Bah, alors, tu pourras plus me tchouk-tchouk? T'es sûr? Bah oui. C'est quoi, ça tombe bien, parce que trop moi, puis je te l'attrape, je te l'écrase. Mais t'es complètement taré comme fille. Plus c'est bon, mieux c'est. Oh mon dieu, mais j'ai pété un câble, c'est horrible. C'est très très chou. Les gens, reste dans la partie 2. S'il te plaît, Anissa, je peux avoir de l'eau, mon cœur? Pardon? Je t'ai dit, je peux avoir de l'eau, mon cœur, s'il te plaît. Tu m'as appelé comment là? Je rêve. Tu m'as dit quoi là? T'as appelé par le prénom de ce mec. C'est drôle, Olivia? Non. Tu m'as appelé comment toi? Mais non, je t'ai demandé juste de l'eau. Tu m'as appelé par le prénom de ton ex? Bah, Anissa, ouais, j'ai pas fait exprès. Ania, Anissa, c'est pareil, c'est kiff-kiff. Comment ça c'est pareil? Pourquoi je parlais que ton ex? Tu te fous de ma gueule ou quoi? Bah, ouais. Non, y'a aucune ressemblance. Ania, c'est Ania, Anissa, c'est Anissa, rien à voir. Moi, je suis pas ton ex, tu m'appelles pas comme ça. Quand tu me demandes de l'eau, tu me demandes ma femme ou Ania. T'es sérieux ou quoi? Que tu prends pour qui en fait? Je m'appelle pas Anissa. Je ne m'appelle pas Anissa. C'est quoi? L'eau? Vous elle... avez la même beauté pourtant. C'est pour ça que j'ai confondu. Comment ça la même beauté? Oh. Comment ça la même beauté? Ouh là là. Mais ça... Ah. Et je vais péter les plombs. Comment ça la même beauté? Mais t'es malade ou quoi? Moi, c'est moi, j'ai la beauté exceptionnelle. Je m'appelle pas Anissa. Dis-lui, ça m'aurait pas plu. Ça m'aurait pas plu, hein. Franchement, ça m'aurait pas plu. Oh, mais c'est autant de trucs qu'on a. Vas-y, là. Les gens, on va prendre Kemela Knight avec une crème très très spéciale épilatoire pour le visage. Ben, viens, on a une surprise pour toi. Assieds-toi. Venez, Madame Mela Knight. Aujourd'hui, on s'occupe de toi. Aujourd'hui, on a un soin pour toi. C'est pas mon anniversaire. On cache les yeux. Surprise. Tu vas kiffer. T'es sûr que c'est moi qui l'applique? Oui. C'est froid. N'ouvre pas les yeux. Ania te pose le soin. C'est un petit peu frais. C'est un tout petit peu frais, Mel. Mais t'inquiète pas. Attends, je vais t'aider à l'appliquer. Surtout dans les sourcils, Mel. Mais pourquoi? J'ai des poils aux sourcils, c'est bien. J'ai des beaux sourcils. En plus, j'ai fait le tan et tout, je la guerre. T'inquiète. Voilà, on étale bien. Et on laisse poser pendant 2 minutes. Mel, si ça chauffe, que ça pique, c'est normal. Ne t'inquiète pas, c'est un masque rajeunissant. Ouais. Anti-poil. On va t'enlever tes points noirs. Tu peux ouvrir les yeux. Mais t'as mis quoi? Mais qu'est-ce... Attends. Mais attends. Crème épilatoire. Un dernier message à ma copine qui nous a quittés, car elle me manque terriblement. C'était une fille généreuse, magnifique, talentueuse. Elle était juste hystérique. Elle avait beaucoup de qualités, mais aussi énormément de défauts. Vous allez me trouver fou, mais même après sa mort, j'ai l'impression qu'elle m'observe, qu'elle me regarde. Alors que jamais je l'aurais trompée. Elle était tellement jalouse, susceptible et boudeuse. Et un jour, je devrais bien refaire ma vie. Enfin... Non, je pense pas que je referai ma vie parce que je pourrais jamais l'oublier. Et là, elle nous regarde. Et elle sait que j'ai dit du mal d'elle. Et elle me boude. Donc, il faut que tu dises du bien de ma copine. Le problème, c'est que je sais pas quoi vous dire de bien. Je trouve rien. Mais je suis obligé de trouver parce que là, à l'heure actuelle où je parle, elle a envie de me tuer. Elle avait la main sur le cœur. Mais elle était aussi radine. Je vous jure, c'était une crevarde. Non, pas du tout. Elle était très généreuse. Très, très généreuse. Elle était tellement généreuse qu'elle m'a partagé son grec. Je vous promets, Ania, quand elle mange un grec, c'est que pour elle. Elle est tellement généreuse qu'elle avait partagé avec moi. C'était les meilleurs. Je me rappellerai toute ma vie de ce grec. Manger sur ce pont, main dans la main, avec toi. Car tu es l'amour de ma vie. Je t'aime, Ania. Repose en paix. Ne m'oublie jamais, car je t'ai déjà oublié. Les gens, on est bien arrivés à Abu. Non, vous devez trouver la destination. Regardez les gens, notre hôtel. Comment il est magnifique. Les gens, on va aller voir notre chambre, comment elle est.
Regardez, il y a combien d'étages? Les gens, notre chambre, elle est au 53e étage, bébé. Oh, non, j'ai trop peur. Regardez la vue. On va voir. Waouh. C'est quoi cette chambre? Elle est magnifique. Oh, oh. C'est trop mignon. Bah, mais c'est toi, tu m'as fait ça pour moi? Bah oui. Regardez-moi cette vue de malade mental. Ça va faire quoi? Des trucs bien sur le canapé. Mais ça va pas la tête. Cette salle de bain de taré les gens. Il y a la douche, toilette et baignoire. Là les gens, il y a la piscine à débordement. Regardez l'hôtel comment il est énorme. Et après vous avez la mer. C'est trop beau les gens. Par contre les gens, il y a un problème. Il y a personne qui n'arrive à trouver la destination. Bon, un dernier indice, on est à Abu. Dans 2 jours, on change de ville et la lettre de la ville commence par un D. Bon, allez, trouver dans les coms. Oh, Anya ! Oh, viens lire le commentaire, tu vas rigoler. Bon, tu viens ? Quoi ? Je suis là. Ok. Bon, il y a une personne qui a commenté comme quoi tu as de la chance de m'avoir. Je suis super patient et je suis super gentil. Oh, alors, pas du tout, t'es pas du tout patient, mais vraiment pas. Super gentil, je suis d'accord avec toi, mais super patient, vraiment pas. Ok, bon, j'avoue les gars, je suis archi pas patient et je suis archi lourd. Ah ouais ? Ouais. Il est insupportable. Ok, et toi? T'es pas lourde? Non. La vie de ma mère, les gars, c'est toute la journée du maquillage, du lissage de cheveux, ça, c'est vrai, du fond de teint, du rouge à lèvres, du vernis, des bains, des McDo, des KFC, tu fais même pas manger, ouais. Putain, tu manges tout le temps? Et alors? Mais j'ai faim, mais tu manges tout le temps, il bouffe. C'est toi qui dis ça? Ah non. À base de McDo? Ouais, ok, McDo, mais c'est. Eh les gars, H24, elle kiffe McDo, c'est tout. Enfin, ok, d'accord. Bref, t'es pas passionné. Ok, d'accord, bouge. Bye! Ah bye! Je te déteste. T'es malade ou quoi? T'es méchante. Toi, t'es méchante. Méchante fille. Test de confiance. Tiens, mets le bandeau, bande-toi les yeux. Pourquoi? Et va t'asseoir à la cuisine. Non. Viens t'asseoir ici. Non, qu'est-ce que tu fais là? Aïe. 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 Donc là, j'ai pris un truc dans ma main. Hey, tu triches pas. Bébé, arrête, triche pas. J'ai un truc dans ma main. Hum. Donc là, je vais mettre. Et j'ai rajouté un truc. Vas-y, t'es chante avec tes trucs chelous là. Vas-y. Putain, t'es pas drôle là, Anya, avec tes trucs là. Oh, putain, là. Tu parles pas comme ça. Vas-y, là, faut que je mélange. Vas-y, ça y est, t'as mis en neuf. Vas-y. Tiens, vas-y, ça y est, elle a mis en neuf. T'es même pas drôle, la fille de ma mère. Vas-y, bah bois, y'a rien. Y'a. Quoi? Y'a quoi? Vas-y, y'a quoi? Qu'est-ce que. T'as même pas goûté? Mais vas-y, bois! Mais bois! T'as mis un truc chelou dans le verre. J'ai senti, j'ai goûté. Mais t'es sérieux ou quoi là? Vas-y, bois. T'as mis un truc dans le verre, vas-y, Anya, là, déplay là. Putain, t'as mis quoi dans le verre? Mais j'ai pas mis. Je lui coupe la parole et le laisse pas parler pour voir sa réaction. Bah. Eh, mais c'est pas ici de toute façon, vas-y, arrête. Ça, c'est mon placard, c'est très bien que c'est mon placard ici. Bah, tu m'as même pas laissé. Tu passes de quoi tu cherches? Ah ouais, bah, je t'ai dit. Mais je m'en fous de quoi tu cherches. Pourquoi tu me disais, je t'ai dit, je sais pas quoi là, je m'en fous, je t'ai pas posé la question. Ça, c'est mon placard. Je m'en fous. J'ai pas parlé. Ça, tu vois, ça, tu peux mettre ça parce que c'est antitranspirant. Oui, c'est hyper bien. Je sais pas ce que t'en penses. T'en penses quoi? Qu'on t'a... Mais en plus, au pire, tu peux prendre ça. Ta mère t'a déjà dit. Le parfum. Ta mère t'a déjà. Le parfum, mais je sais pas si. Ta mère t'a déjà dit que c'était. Attends, pardon, pousse-toi. Est-ce que ta mère t'a déjà dit que c'était très mal poli de couper la parole aux gens? Mais parce que t'es là, tu coupes la parole. Oula, je cherche mon mais parfum. Tu fais pas ta voiture ce soir? Tu sors comme ça? Je sais pas, il faut savoir mettre du gel un peu dans la vie. Enfin, je sais pas, genre, tu mets pas de gel. Ouais. Bah, pourquoi t'as plus de gel? T'as pas acheté de gel? Ah, si, là, ça. Ah, t'as acheté plein de masques. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, du coup, je sais pas. Ça, c'est un gel ou un masque? Je ferme ma gueule, je peux oui, pas parler. Non, c'est un masque, il y a marqué masque, je sais pas lui. Oh, quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Les larmes se suivent, les peines restent. J'pense à quand tu ne seras plus là. Mon bolide passe les vitesses. J'm'en perds, j'oublie, j'pense à toi. Faut que tu retiennes la leçon. Des fois, putain, j'suis bresson. Dans la gova, j'manque le son. Tu sais qu'au fond, j'ai raison. J'ai pas le cœur brisé. J'ai le cœur noir, il est paralysé. Qui t'a embrassé? Personne. C'était Trevor? Non. Ma Tessa aurait jamais embrassé un étranger dans un club. Je suis plus ta Tessa, tu m'entends? Mais pendant que t'embrassais un gars, moi je baisais Molly.
me maquille les yeux fermés. Le fond de teint. C'est pas quel deuxième. Bébé, viens, s'il te plaît. Il se fout de ma gueule, je suis en train de maquiller là. J'en rajoute un peu parce que je sais pas si j'en ai assez. Mais lui, il fait que parler, il m'énerve. Je sais pas si j'ai bien estompé, je passe à la poudre. Oh, franchement, j'ai trop peur. J'espère que c'est beau hein, parce que j'ai pas envie de me démaquiller pour me remaquiller. Hein. Ma couleur, je sais plus où elle est sur la palette. Je crois qu'elle est là. Et du blush. Ça, normalement, ça doit être facile, ça c'est bon. Anna ! Mais il me saoule ! Rappelez que j'ai oublié de mettre de l'anticerne. Putain, mais il me saoule, il me gâche ma vidéo. L'anticerne. Alors là, j'ai fait tout à l'envers, c'est du n'importe quoi, c'est à cause de lui. Je me souviens bien, l'anticerne, je dois vraiment estomper. Donc je sais que là, c'est pas bien estompé. Donc je vais essayer de faire mon contouring du nez, donc avec la bonne teinte. J'espère que celle-ci, c'est la claire. Ok, j'ai pas. Je continue ici. Normalement, là, normalement, le contouring du nez, j'ai pas raté. Du mascara. Les yeux fermés. Je sais pas, j'ai les yeux fermés. Aux lèvres. Alors, les lèvres, c'est les plus simples. Parce que je sens les lèvres. Oh non. Normalement, là, c'est bon. J'en rajoute pas. Où j'enlève MAC. Ah, j'espère qu'on est pas allé sur les dents. Vous savez quoi? Comme je dis que je suis trop une pro, j'ai même rajouté de l'highlighter sur le nez. Voilà. 3, 2, 1. Je me suis maquillée les yeux fermés, ça va? Non? Non, je rigole, t'es trop belle, meuf. T'es trop belle, il se fout de ma gueule. Coucou les filles, c'est parti. Aujourd'hui, je vais faire mon démaquillage avec vous. Donc, je vais vous montrer comment je me démaquille. Alors, tout d'abord, je commence à enlever mes demi-fossiles. Parce qu'en fait, j'arrive pas à mettre des fossiles entiers. Du coup, je mets que des demi. Ensuite, avec ce baume démaquillant de chez Clinique, je viens masser mon visage. Vous allez voir qu'il est vraiment incroyable. Regardez déjà la différence entre le premier côté et le deuxième. Une fois que j'ai fait la première partie, c'était juste pour vous montrer, mais normalement je fais tout en un, je m'attaque à la deuxième. Une fois que mes deux côtés du visage sont démaquillés, je viens faire des petits mouvements circulaires sur le visage et sur le cou. Je rince, et je viens m'essuyer le visage avec une serviette. Ensuite, on passe au gel moussant de La Roche-Posay. Donc ça va venir continuer mon démaquillage que j'étais en train de faire. Ça va enlever les petites impuretés qui restent. Une fois que j'ai bien frotté, on passe ensuite au rinçage. On essuie le visage, là j'étais en train de me moucher, super. Avec une crème de toujours La Roche-Posay, je viens en appliquer sur mes imperfections. Bon, là j'étais clairement en train d'en appliquer partout sur le visage, mais bon, c'est pas grave. Je viens terminer par le sérum The Ordinary, je sais plus lequel c'est, je crois que c'est au zinc. Donc je viens mettre quelques gouttes sous mes mains et ensuite je vais tapoter mon visage pour que le sérum rentre dans mes pores, dans mes boutons. Et bien évidemment, je vais bien insister sur mes gros boutons parce que je peux plus me les voir et pour qu'ils partent très très vite. Je finis par me brosser les dents, ensuite je passe un petit coup de baume à lèvres sur les lèvres et voilà, je peux aller me coucher. Bisous. À chaque fois que t'as pu faire du mal à une personne. C'est simple de s'excuser. Ouais, on est d'accord, c'est archi simple. Nous allons faire quelque chose. On va prendre une feuille blanche. Ouais, une feuille blanche que t'as chez toi dans un tiroir, quelque chose comme ça. Cette feuille blanche, nous allons la froisser. Pendant que tu la froisses, pense à cette personne à qui t'as fait mal. Ok? Plutôt simple jusqu'à là. Ensuite, tu vas reprendre cette feuille et tu vas essayer de la remettre droite. Elle est comment cette feuille? Non, dis-moi, elle est comment cette feuille? Elle est froissée, on est d'accord. Mais attendez, parce que je pense que si on force, on peut quand même réussir à la remettre droite. Ok, elle me paraît plutôt assez droite. Elle est comment cette feuille? On est d'accord? Elle est toujours froissée. Et bah tu vois, quand tu fais du mal à une personne, et bah cette personne, tu la froisses, tu lui fais du mal, tu la blesses, tu la détruis. Certes, une excuse ou un pardon, c'est bien, mais c'est seulement un pansement. Et donc du coup, la personne, elle a toujours mal.
sur toi là. C'est quoi le record du monde? Je sais pas, ils disent 39, 41. Moi je comprends pas. C'est trop long, ouais. Vas-y, passe pas 31. Moi j'étais pas vas-y, vite, 15. vite. Je le sens bien, on est bien parti. C'est parti, vas-y, on sent. Allez, concentration. Yes, speak English very well. Arrête, t'es concentré. Ouais, je t'épouche. Oh, arrête. Regarde, parle, regarde, vas-y, vas-y. Non, doucement, t'as failli appeler deux fois. Ouais, de ouf. Vas-y, en bas. Là, ouais. Mais c'est normal, je vois rien, je louche. Non, bouge pas. Mon doigt, il tremble. Tu as mes lunettes? Ouais, s'il te plaît. Non, après, je vais rien voir. Vas-y. Là? Ouais. Viens, là. Toi. Là. Yes. Ouais, vas-y. Là. Je le sens, je le sens. Oh, 24, 24, Olivia. Allez, vite, vas-y. Oh, moins 40. Vas-y. 35. Vas-y. C'est où, là? Merde. Ah. Là. Ouais. Là. Là, ouais. Oh. Là. Là. Vas-y. Hein? Olivia. Là. Non. Si. Vas-y. Là, comment t'en fais? Je sais pas. Là, merde. Là. Là. Ouais. Là. Ouais. Là. Ouais. Vas-y, vas-y, vas-y. Là. Là. Ouais. 40-40. Vas-y, c'est où? C'est là. Ouais. Oh. Je vois plus rien. Je dois faire une... Là. Non. Oui. Ouais. Là. Non. Oh. Oui. Vas-y, 40-40. Vas-y. C'est pas possible. Il y a un problème. Oh, mais pas 40. सखिया रे सैया सेज पहिला पनाई खे है का कहि सखिया रे सैया सेज पहिला तनाई खे T'as les cheveux gras, Nia? T'es pas lavé? Je suis allée chez le coiffeur hier soir. Et t'as pas lavé les cheveux? Bah si, m'a fait brushing, tout, max, soin, tout. Quoi? Bizarre ta peau en ce moment, peau de serpent. Elle a dit peau de serpent, ça m'aurait pas plu. Genre, en gros, elle a signé que t'es vieille. Il y a des petits boutons en plus. C'est l'acné en ce moment qu'elle a? J'ai entendu l'acné. Ça te réussit pas les vacances? J'ai entendu ça te réussit pas les vacances. Bah vas-y, t'en l'ai dit, hein. Elle a dit que t'étais laide, ça m'aurait pas plu par contre. Mais t'es obligée de mettre des faux ongles? C'est pas des faux ongles, c'est du vernis. À l'insinu, t'as des ongles, ils sont trop moches. Ah, ça m'aurait pas plu. Moment, hein. Oh, t'as changé. T'es pourrave. T'es sérieuse, là? Pourrave, complètement. Mais toi, t'es pourrave, t'as vu ta gueule? Eh, tu vois pas comme ça, hein? Regarde, on dirait que t'es une personne, on dirait que t'es zombie comme ça, là. Ah, ça m'aurait pas plu. Bah ouais, va te reposer, toi, t'as besoin de vacances. Parce que toi, ça veut dire qu'elle le pense vraiment, alors que nous, c'était faux. Ouais, mais c'était une blague. Là, tu m'as dit. Je leur fais croire que je sors avec de la mort pour voir s'ils vont me le dire. Bon, moi j'y vais, vous me rejoignez après. Hein ouais, les épices. Ouais. Vous pouvez me regarder quand je vous parle? Ouais, excuse-moi. Tu vas où? Bah, je vais chercher le truc que j'ai besoin là. De rire, toi, c'est pas drôle. Mais ouais, pourquoi tu rigoles, Olivia? Je te parle d'un sujet sérieux là en fait. Tu vas où déjà? Je t'ai mis le poulet. Je vais chercher le truc qu'on a besoin pour le chien. Ah, tu peux pas sortir comme ça, ma vie. Pourquoi? Tu t'es regardé dans le miroir avant de sortir? Bah, non, pourquoi? Non. Arrête de rigoler, toi. Imagine-toi, c'est toi. On va rigoler. Mais je comprends pas là, il y a quoi en fait? Bah, non, mais je sais pas, vous êtes chelou. Nouna. Hein? Nouna. Non, on dirait. Comme ça. Où? Non.
Tu veux me l'enlever, s'il te plaît? Ah non, ah non. Vous êtes sérieux ou quoi? Non, j'ai un peu dit. Non, non, t'as une crotte de nez, point barre, tu l'enlèves avec tes mains. Hein. Bah, tu vas te laver les mains après. Bah vas-y, c'est ta femme, toi. Hein. C'est ta meuf. Je vous enlève. Ouais, c'est ok. Olivia, t'es trop méchante, hein. J'ai fait tomber des cachets dans la gamelle du chien. Oh non! Oh!